es una Iván y mi papá una Yusuka, mi papá una Yusu. Yo se pone Lungu y a Yusu. Ce qui était dès le commencement. Oyo Isalaki Utaï Bandigi. Ce que nous avons entendu. Oyo Tosilaki Koyoka. Ce que nous avons vu de nos yeux. Oyo Tosilaki Komona Nabiso Nabiso. Ce que nous avons contemplé. Oyo Tosalaki. Et que nos mains ont touché. Et Oyo Maboko Nabiso Matimbaki. Concernant la parole de Dieu. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Et qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Et Dieu bénisse sa parole. Il nous dit ce qu'il annonce. Il ne s'était pas avancé de son propre chef pour annoncer sa parole, mais il nous dit que ce qui était dès le commencement, c'est ce que nous avons entendu, c'est ce que nous avons vu. Voilà ce que nous avons contemplé. Voilà ce que nous avons touché. Concernant la parole de vie. Au commencement, n'était pas une religion. Au commencement, n'était pas les prédicateurs. L'Écriture dit dans Jean chapitre 1er, au verset 1er, au commencement était la parole. Cette parole, ce n'était pas la parole d'un homme. La parole de l'homme passe avec l'homme. Et de l'homme, il n'y a rien de bon qui sort. L'homme est né pécheur. Dans le psaume 51, il a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. J'ai été enfanté dans l'iniquité. Mais toi, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Ainsi, Jean n'a pas annoncé sa parole. Il dit, et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Qui était auprès du Père. Ce soir, il nous a promis la vie éternelle. Il nous a aussi
un salut éternel. Amen. Dans Hébreux au chapitre 5, verset 9, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ce soir, nous voulons vous braquer vos regards sur ce qui demeure éternellement. Et si vous voulez avoir des réponses à ce sujet, si vous ne vous adressez pas à n'importe qui, un homme malade ne va pas vers un mécanicien. Un mécanicien ne peut réparer que des véhicules. Et un homme qui a besoin d'aller au ciel ne va pas s'adresser à une dénomination. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de dénomination. Et celui qui veut avoir la vie éternelle ne doit pas s'adresser à un homme qui est fini. Cet ami qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Et vous allez vers le Dieu éternel. Il vous donnera les réponses concernant la vie éternelle. Israël avait voulu entendre Dieu parler. Et il est allé, Dieu lui a dit, venez à la montagne. Dans Deutéronome au chapitre 4, là l'Écriture dit, prenons Deutéronome au chapitre 5, verset 4, l'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Moïse se tint alors entre l'Éternel et vous. Vous vous annoncez la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu. Et vous ne montâtes point sur la montagne. Lorsque ce peuple avait vu ce spectacle terrifiant, il sait qu'il y a ce Dieu ne nous parle plus. Mais qu'il te parle à toi, Moïse. Et que toi, tu viens nous parler. Dans Deutéronome 18, verset 15, voici la réponse de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb. Le jour de l'assemblée, quand tu disais, que je n'entends plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Et Yahvé me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. La réponse de Dieu à la demande des enfants d'Israël, c'était un prophète comme Moïse. Ce n'était pas Moïse la réponse de Dieu. Ça devait être un prophète comme Moïse qui lui parlait avec Dieu bouche à bouche. Il se tenait dans la présence de Dieu. Et l'apôtre Jean le dit dans Jean au chapitre 1er, Moïse est venu avec la loi. Jean chapitre 1er verset 17, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité
Qu'il soit prince, qu'il soit roi, et là, pour
selon les circonstances et les conditions. Ce n'est pas l'évangile qui évolue selon la pensée des hommes. Dieu n'évolue pas. Dieu ne change pas. Dieu est parfait. Son évangile est parfait. Il n'a pas besoin d'ajouter. Ce Dieu qui a besoin d'être aidé. Il n'a pas besoin d'être adoré. C'est le Dieu que vous adorez. A besoin de votre aide. De votre assistance. Que vous puissiez trafiquer sa parole. Il mérite d'être abandonné. Le Dieu que nous adorons. Il s'est présenté à Abraham. Il a dit. Je suis El Shaddai. Je suis le tout puissant. Je suis le tout suffisant. À lui-même. Il se suffit. Elle a dit,
qu'il me soit fait selon ta parole. Marie n'a rien fait. Elle avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. La parole de Dieu était venue vers Marie. Elle a cru dans son cœur. Et l'enfant est né. Et cet enfant était le premier homme sur la terre à appeler Dieu Père Céleste. Noé n'était pas né de nouveau. Moïse n'était pas né de nouveau. Abraham n'était pas né de nouveau. Naître de nouveau sous-entend qu'il y a d'abord une première naissance, celle qui vient de l'homme, mais ensuite une autre naissance, celle qui vient d'ailleurs. Ce fils-là, Jésus, ne pouvait même pas dire qu'il était né de nouveau. Parce qu'il n'avait pas de vieille naissance. Il était la vie éternelle. Oui, il n'a pas été engendré par un homme. Il n'était pas juif. Il n'était pas grec. Ce n'est pas le Dieu des Grecs. Ce n'est pas le Dieu des Philistins. Il était la promesse faite à Abraham. Et le Dieu d'Abraham, c'est celui-là le vrai Dieu. Et ce Dieu-là, lorsqu'il a regardé pour la première fois sur la terre, Dieu jetant son regard sur un homme, et il plaça son approbation. Si vous lisez attentivement la Bible, quand Dieu a créé Adam, il n'a pas dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir de demeurer. Dieu savait que par sa nature, Adam se fait tomber. Comment il s'est venu, Dieu n'a rien dit. Quand Isaïe est venu, Dieu n'a rien dit. Quand Élie est venu, Dieu n'a rien dit. Quand Jean-Baptiste est venu, Dieu n'a rien dit. Mais lorsque Jésus est apparu, il avait venu le seul conflit. Il est venu le seul conflit. Et mon fils bien-aimé, la réponse, ouais, la
Dieu. Et vous qui l'entendez. Bien-aimés. Tous se sentaient indignes. Tous avaient
qu'il n'était pas capable. Il n'avait pas de place à cet endroit. Mais comme ce soir, tous nous sommes réunis du podium jusque dans la salle. Nous sommes aussi indignes que ceux qui sont dehors. Mais la grâce, c'est que le message est venu à nous. On nous a contraints à rentrer. On nous a parlé. On nous a attirés. Afin que la salle soit pleine. La salle était pleine. Mais elle était pleine de quoi? De prostituées. De voleurs. D'habitants. De mendiants. Bien aimés, frères. Au ciel. Ne croyez pas que nous rencontrerons que des princes. Ils sont peu nombreux. Les princes qui ont cru. Ils sont peu nombreux. Les justes qui ont cru. Ce sera une salle qui sera remplie. À gauche des voleurs. À droite des brigands. Devant des escroquiers. De l'autre côté des prostituées. Oui, c'est ce que nous sommes. Nous sommes tous là. Mais des voleurs. Pardonnez par grâce. Ayant fait une expérience de volant que nous étions, nous volons maintenant les armes à Satan. Nous continuons à voler. Mais pour le bon mai, que faisons-nous? Dans la prédication de la parole, dans le témoignage de mon fils, nous pardonnons les gens à rencontrer Jésus-Christ. Ne croyez jamais un seul instant que vous êtes dit. Apocalypse chapitre 5. Et ils ont entendu une voix qui disait: qui est digne de prendre le livre? Jean regarda dans les cieux. Il n'y avait Yeah.
Mais Paul l'a rencontré selon la révélation. Et c'est à lui que Dieu l'a confié. Et là, insultait Jésus.
Et l'autre regardait. Et il lui dit, n'as-tu pas honte? Toi qui subis le même sort que le Seigneur. Nous, si nous subissons ce sort, c'est justice. Parce que nous le méritons. Mais ce il n'a rien fait. Alors il regarde Jésus. Et il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Lorsque tu viendras dans ton règne, c'était 2000 ans après. Jésus le regarde. Il dit, mais ne crois-tu pas que le sacrifice est là? Ne crois-tu pas que le sang est répandu? Dans 2000 ans, aujourd'hui, ne retourne pas à la maison. Allez, ceux qui ont le cœur troublé, cette parole est pour vous, elle est pour nous. Son cœur peut être troublé par la maladie, par le péché, par les problèmes, les inquiétudes de la vie, l'angoisse et tous les troubles que nous voyons et dans le monde entier. Mais dites à ceux qui ont le cœur troublé, première chose, ne craignez point. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. L'œuvre de salut est une œuvre divine qui tribue jusqu'à la fin. Jésus était seul. Ils ont dit, oh Simon, aide-le à porter sa croix. Personne ne pouvait aider Jésus. Seul, il avait étendu les cieux. Seul, il avait déployé la terre. Seul, il devait sauver l'humanité. Il a vu la croix jusqu'au bout. Il est monté à la croix du calvaire. Et là, il a souffert comme lui l'homme n'a jamais souffert. Aucun pasteur n'était avec lui. Aucun prophète n'était avec lui. Il était seul. De son sang qui coulait. Et il a regardé. Tous étaient témoins. Les apôtres étaient témoins. Tous les anciens étaient témoins. Il était mis au milieu des spécans. Au milieu des malfaiteurs. Et il a regardé. Ce que toi, tu aurais encore fait. Il n'a rien vu. Il a regardé ce qu'un prédicateur pouvait faire. Il n'a rien vu. Il a vu ce que moi j'aurais pu faire. Il n'y avait plus rien à faire. Alors il releva la tête. Et il entra le cri le plus glorieux. Le cri de Satan n'est pas encore. C'est pour ça qu'il essaie de nous le ravir. Prenez donc trois mots. Mais dans ces trois mots, le salut de l'humanité est là. Jésus a crié. Tout est accompli. Dites-moi, quel est l'homme qui allait dire à ceux qui étaient dans le séjour des morts?
Relevez-vous. Il a rendu là. Qui est pouvait entrer là-bas et en ressortir? Personne. Tous ceux qui étaient entrés là-bas ne connaissaient pas le chemin pour sortir. Mais lorsque Jésus rendit là, lui-même descendit. Jusque dans le séjour des morts. Bien-aimés frères, il y a un nom que Satan n'aime pas. C'est le nom du Seigneur Jésus. Il y a un lieu que Satan n'aime pas. Il n'aime pas qu'on en parle aux hommes. C'est la croix de Golgotha. Tout homme qui nous retire la croix de Golgotha, il est saisi par l'esprit de celui qui avait conduit notre Seigneur à Golgotha. Parce qu'il sait que la plus grande victoire de tous les temps n'a pas été acquise à la banque. La plus grande victoire de tous les temps n'est pas venue dans les temps de la fin. La plus grande victoire de tous les temps n'est pas venue avec Moïse. Mais la plus grande victoire de tous les temps est venue à Golgotha. Vous n'avez plus rien à craindre. Son autorité, son pouvoir, sa puissance lui a été retiré. Il n'a plus rien en main. Satan est un trompeur. C'est un menteur. C'est un homme qui n'a plus rien. Et il voudrait croire qu'il y a quelque chose. Il y a eu une bataille rude entre deux, entre le ciel et la terre, entre le Seigneur et Satan. Mais qui est le plus fort? Ce n'est pas Satan. Pourquoi tremblez-vous? Le péché vous saisit, vous vous mettez à trembler. La maladie vous saisit, vous tremblez. Un homme vous menace, vous tremblez. Mais Satan n'a plus de puissance. Sa force, c'est la persuasion. Il essaye de vous convaincre que vous n'êtes plus capable. C'est un homme qui n'a rien. Souvent, je donne cet exemple. J'étais un petit bonhomme comme ça, en 6e primaire. Et un ami tout gros, tout grand, m'avait mis par terre. Mais moi j'avais la bouche, je parlais. Et lui il était bête, il écoutait. Avez-vous entendu? Satan parle. Vous vous écoutez. Quand j'étais tout petit, là, il était assis sur moi. Je lui ai dit: Louis, si tu ne te lèves pas, je vais te tuer. Satan, c'est un frère, et le connaît.
ce nom. Il a vu. Il était là. Le sang a coulé. Mais ce soir, ce sang est encore valable. Il est valable pour toi, mon frère. Il est valable pour toi, ma soeur. Inclinons-nous. Puisse entrer dans leur vie.